De cette équipe du Mouloudia d'Alger se nomme Khaled Ben Yahya, un coach tunisien. Du côté du CR Belouizdad, Merbah Gaïa suspendu, Merzougi Khalf. Souhaiter sur le plan de la qualité de jeu, du spectacle, que ce match se joue à partir de la 7e rencontre de ce derby. Donner le coup d'envoi de ce Mouloudia Chebab Riadi de Belouizdad avec beaucoup de changements. On parlera tout à l'heure des. Attention à ce ballon, c'est Merzougi qui est parti tout seul, il ouvre son pied et superbe sortie de Chahal. Il est sorti. Le champ de vision de Merzougi. Il l'a même surpris. Oui, Merzougi, parce qu'on va essayer de revoir l'action en Riyad. Merzougi n'a pas pris l'information au moment opportun. L'action se poursuit avec le contre du côté du Mouloudia d'Alger et le centre là-bas, c'était pour Touki, la frappe et l'ouverture du score contre le cours du jeu. Quelle action sur le contre et bien vu de la part de notre ami réalisateur Kina qui a laissé le jeu se poursuivre. Là, un bon centre de Touki et puis Azedi qui vient comme une fusée, là sans pitié. Il rate un but tout fait et sur le contre, le CRB encaisse ce premier but. Attention, Dravé qui revient derrière. Melizek qui frappe, superbe la plongée à l'horizontale de Chahal, quelle parade du... Lors de la dernière passe, c'est un jeu un petit peu décousu. Oh, le petit pont. Superbe, superbe action. À l'aise, sans problème. Voilà, merci. Les rouges et blancs du Chebab. Et voilà, on n'arrive pas à construire 2-3 bases. Et ça va repartir de l'autre côté. L'appel de Touki cette fois-ci. C'est Frioui qui rentre. Frioui qui va transmettre. Oh, quelle action! C'est le deuxième but! Sidi Touki, le Mouloudia qui assomme le Serbe en une demi-heure, en 30 minutes. Ça, c'est Ezemani qui prend l'action. Frioui, Idil Bouchard, qui donne dans l'intervalle, dans le dos de Nasser. Et puis Touki, intérieur pied droit, il assomme. C'est plutôt. Et le Serbe qui va se dégager très loin. Ces longues balles ne donnent pas grand-chose, même si l'excellent contrôle de la poitrine de Nasser, la tête, elle était cadrée. Que dit l'arbitre? D'y jouer. Elle revient, un pénalty. Alors il revient à la faute. C'est un pénalty, effectivement. Voilà. Un bon sang de Nasser. D'abord le contrôle. Il prend l'information. Ouais, c'est Haddad. Là, il prend l'information. Il lève la tête, superbe oui. Centre tendu. Oui. Il évite le regard du gardien, il prend son élan, il frappe, contre-pied parfait. Et réduction du score pour le Chebab. Et c'est relancé pour ce derby. Qu'il a très bien transformé. Contre-pied, ras du poteau. Michel, côté. Ballon contré par les joueurs du Chebab. Que dit l'arbitre? Il ne dit rien et on va revenir derrière pour Sadou. Qui dégage très loin. Ballon dégagé, attention au contre, Merzougi peut-être pour le doubler, Merzougi, oh le toucher de balle, il avait Tibia. Avec le jeu qui a marqué. Regardez, le contrôle du Tibia est un mauvais contrôle, hein, parce que le ballon lui échappe. C'est bien tiré. Là, il faut bouger, il ne faut pas rester statique. Bouger, une frappe très forte devant le but, en cloche, il n'y avait personne. Alors que dit l'arbitre? Frioui qui demande pénalty, il dit qu'il... Alors... Pénalty. Ça c'est clair, mesdames, messieurs, vous allez la voir. Et on va arrêter, voilà. On peut même revenir. L'air sortant, point de pénalty, la tête, personne. Et le ballon dégagé par la défense, récupéré par Ezemani. Une deuxième chance, la tête. Et la transversale, le haut de la transversale. On la revoit. Oui, Zaidi Esley, libre de tout marquage. Ballon en cloche. Oui, acharnement. Voilà. Il va la mettre dans la boîte là-bas, le centre pour qui? La tête, attention peut-être le second but, la tête et Chahal qui sifflait à la bouche. Monsieur Abid Chalov qui siffle à la fin de ce premier derby. CRB, Mouloudia d'Alger, victoire 2-1 du club doyen, victoire méritée, première victoire dans un derby.